Salut tout le monde, bienvenue à Trash Talk. Cette semaine, notre invité, Thomas Levac. Allô. Yeah. Ça va, Thomas? Je suis très heureux, il y a des beaux chats. Oui, des beaux chats. Hein. Connais le concept? Oui. En fait, on regarde des films mauvais, on boit pendant. LP, il va faire des règlements. D'un drinking game que nous, on va participer. Toi, si tu veux nous suivre, puis au lieu d'augmenter ton taux d'alcoolémie, augmenter ton envie d'aller pisser. Ouais. T'es bienvenu. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai baffé au bout en commençant, ça va bien. LP, c'est ça, il a fait des règlements, il va choisir trois règlements en fait, puis après ça on va regarder la bande-annonce, puis tu vas choisir le quatrième règlement. Ah bah, parfait. La beauté de ça en plus, c'est que c'est un trash talk différent des autres, parce que là c'est toi qui vas choisir le film parmi 12 films. Tous ces films-là ont un trait en commun, c'est les 3G. Donc tu peux prendre le DVD juste derrière toi, puis nous lire c'est quoi qui ont en commun les 3G. Ah, Girl Golden G-String! Ça va être cochon! Okay, you turkeys, freeze! Oh, je suis content! Ah, là, j'aurai une grosse érection! Ah, oh, c'est la meilleure affaire! Ah, oh, génial! Yes. Moi, celui qui est venu me chercher, c'est Picasso Trigger. En plus, il a été fait la journée de. Plutôt l'année de ma naissance, en 1988. Ah ouais. Okay. C'était avec Steve Bound. Ah, là, c'est bon. Hope Mary Colton a l'air d'une chienne, j'aime ça. Alors, Picasso Trigger. OK, when agent Picasso Trigger. C'est un agent, mesdames et messieurs. Il s'appelle Picasso Trigger. Il est kill par le art criminal Miguel Ortiz. The agency decides to send a trio of female agents. With the task of bringing Ortiz down. Trois femmes qui font mal à un homme, c'est très excitant. Origin will see all of their skills, specialized weaponry, and their physical attributes in order to track down Trigger's killer. Wow. Je suis très excité. Je trouve ça plate que Picasso a pas autant de place. Non, c'est ça. Mais, d'un côté, il y a trois femmes qui font mal à des hommes. Ah, c'est des playmates, ouais. C'est des playmates. Ah! C'est des playmates, ouais. Qui jouent là-dedans. Ah, oh, je suis content! Ouais, ouais, ouais. Qui fait un espèce de follow-up avec le film qu'on écoutait avec ta blonde, parce que c'est un film avec Vanilla Ice dedans, mais le réalisateur a fait beaucoup de vidéoclips et a fait un vidéo Playboy qui s'appelait Wet and Wild. Wow. Donc ça. Wet and Wild, c'est ce que j'aime des femmes. Il faut qu'elles soient mouillées et wild. C'est mes deux. Si t'es pas comme ça, je t'adresse pas la parole. Tu peux écrire ton nom sur le film avec le crayon. What? Tom. Yeah. Fait que c'était des règlements généraux pour tout ça, vu qu'on sait pas quel film t'allais choisir. C'est ça. Fait que un film d'action. Tu connais le classique des films d'action, oui. À chaque fois qu'il y a une explosion, on prend une gorgée. C'est des playmates, fait qu'à chaque fois qu'il y a de la nudité gratuite, on prend une gorgée. Ah, oh, ils vont des. Ok, je comprends. On va avoir de la nudité gratuite, puis on va mettre la face probablement sur. Pour censurer. Pour censurer. Mais le problème, c'est que ça va plus exciter. Fait que ça marche pas. Faut pas que Steph regarde ça. Oh, le show. Puis, troisième règlement, à chaque fois qu'une femme utilise la séduction comme arme. Oui, moi j'en ai un règlement. À chaque fois qu'on se dit. Ah, ça c'est misogyne. Faut boire. Ok. Ça peut, ouais. Faut qu'on va être sous genre après 3 minutes et demie. On va prendre ça en note, on va regarder les bandes annonces, puis si jamais tu décides de changer. De garder ça. Ah, excuse-moi, oui, mais j'ai l'impression que ça va rester. Ça s'appelle Pussy. Picasso. Picasso Trigger. Picasso, pardonnez-moi. C'est Pussy Trigger, yes. Pussy Trigger, ça serait meilleur. Ça fait le nom de James Bond, Pussy Trigger. Ah, mais il y a Bond dedans. Ah, ouais. Mm-hmm. Ah. Philippe. Malheureusement, c'est pas ce Philippe-là. Le chat est parti de moi, puis c'est insultant. Ouais, hein? Il est parti sentir tes souliers, ça peut te réconforter. Ah, ben, ouais. Ok, j'embarque. Yes! Là, tu vas pas le faire plier. Tu j'appuie le crayon? Ça marchera pas. Excusez-moi, les gars. Ça prend de la chaleur humaine. Oh. Porte un ça marche? Allô? Oh, il est couché! Tu veux-tu rester avec ta prédiction de... Pas ta prédiction, mais ta règle de à chaque fois que c'est misogyne? Ou tu veux changer de règle? Tu changes de règle, je réfléchis. T'avais spoté les béquilles tantôt? Je sais pas si y a quelque chose. Ah oui, les béquilles! À chaque fois qu'on voit une béquille? À chaque fois qu'on voit une béquille. Ok. C'est weird! En plus, c'est comme devant son. Je sais pas si l'acteur s'est fait mal pendant le tournage, puis ils ont juste incorporé la béquille dans l'histoire. Ça pourrait être. Ouais, ce que tu proposes, c'est intelligent. Mm-hmm. Je pense pas que c'est intelligent dans le film. Ça se peut. Il y a des bonnes chances que ce soit pas intelligent. T'es-tu prêt à voir ça? Je suis très excité. Et je suis prêt. Et j'avoue. Ouais. C'est malaisant rencontrer des gens pour la première fois et voir autant d'érotisme. c'est ce qu'on a vécu
en écoutant Samurai Cop avec Alec Pronovo, le réalisateur. Ouais. Il y a beaucoup de scènes de softcore dans ce film-là. Puis quand on est juste trois dudes à checker ça ensemble, c'est... C'est pas... Je suis content que tu aies ça avec vous. Ouais, c'est juste content. Ouais. Ça me rappelle mon secondaire. Je faisais beaucoup de ça, écouter de la pornographie avec d'autres hommes. Mais regarder de la porno entre vous deux avec moi à côté, ça c'est correct. Ouais. Voici un extrait. Voici un extrait. Ah, c'est cringe. Ah, c'est drôle. Ça se fait-tu? Non. Je sais pas si ça marche. En plus, c'est fort. Fait que, on est prêt à regarder ça. Yes. Fait que, on se voit au tournage. Quoi? Fait que, est-ce que tu te rappelles des règlements? Non. Non. Alright. Tu te rappelles-tu de ton règlement? Ben, oui, mais je veux revenir à la misogynie. Ah, tu changes béquille puis tu veux y aller. Alors, la béquille! La béquille! Oh, regarde la béquille. La béquille, parce que la misogynie, c'est une béquille de notre société. Ouh! T'avais tout pensé à ça? Non. Ok, fait qu'il y avait béquille. Film d'action. Fait qu'un des explosions, à chaque fois qu'il y a une explosion. À chaque fois qu'il y a de la nudité gratuite. Ouais. Puis à chaque fois qu'une femme utilise sa séduction comme arme. Oh. Ok. Aussi, on fait des prédictions à la limite du possible. Si ça tente de participer. Mais nous, dans le fond, moi puis Vince, si une de nos prédictions se réalise, on va prendre un shot. Je sais pas si toi tu veux genre caler ton verre d'eau. Caler mon verre d'eau. Non, je me goinfrerai. De chips. Okay. Okay. Donc je sais pas si t'as une idée de prédiction que t'aimerais faire basée sur la bande-annonce que t'as vue. Quelqu'un va mourir étranglé. Étranglé? Étranglé. Okay. Alright. Toi, Vince, c'était une prédiction? Non. That's the end. Notre agent Picasso, il va peindre. Oh. Ouais, certains points. Ah, j'aime ça! Bon. Il va peindre pour feigner d'être un... Il va faire semblant d'être un peintre. Mais il meurt très rapidement, cet homme-là. Ah ouais? C'est l'élément déclencheur. Okay. Il meurt, donc tu vas découvrir pourquoi il est mort. Bon, ben, ça se peut que ça se réalise pas. J'ai une bonne prédiction, je pense que ça va se réaliser. Ah, j'en ai une autre, sinon. Il va frapper quelqu'un avec sa béquille. Picasso? Ouais. Est-ce que Picasso qui a une béquille? Je sais pas. Non, moi, j'ai une autre. La personne qui a une béquille va frapper quelqu'un avec sa béquille. Okay. J'ai une autre prédiction. Ok, vas-y. Ma mère est dans le film. Alright, fait qu'on est prêt à écouter ça? Fait que, Christine, t'es-tu prête à peser X? Faut que tu dises oui ou non ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais comme si je parlais à Christine. Le chat, il est avec nous autres. Steve Bond. Mais il est quand même First Bills. Ah mon dieu! C'est une toile! T'as déjà raison! C'est une toile, mais. Ben oui! Mais est-ce que c'est Picasso qui l'a fait? Ben on arrête de niaiser, puis on sait que c'est ça, là. Yo, Gwishcock? Pardon, ton nom c'est Gwishcock? Ok. Arlene Sidaris, qui est sûrement l'épouse du réalisateur. Oh! Puis elle a laissé faire un film avec plein de playmates de même. Garde-toi, Andy. Une femme ouverte sur son temps. Quand même du production value, ils sont allés à Paris, là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Pornhub. Il y avait beaucoup d'argent à faire avec des familles. C'est vrai. C'était une maquette. C'est avant que ça prenne en feu. Oh. Alors, on est soudainement plus à Paris. Oh. On a juste souligné que soudainement on est en Amérique. C'est clairement à Malibu, là. Oh, c'est incroyable, ça! Wow. C'est le package de Miguel Ortiz. Je... Hey, il y a un truc! What? Vas-y! Ah, ben oui, toi, ok. Mais ça, à la base, là, c'était un signe de paix, hein. Mais ça l'est plus. Genre, en 88, ça l'était pas. Oh, il y a une grosse cicatrice. Parce qu'il a dit ça sur un party une fois. À la base, c'était un signe de paix, puis il a pas aimé ça. Il y a un juif dans la place que... C'était Aldo Rain. Ah, il porte sa montre dans la main droite! C'est étrange! C'est ce genre de gars, là. Oh, wesh! Mais c'est un espèce de James Bond, là. Ben, c'est raté. C'est très... Il est dans quel pays? Je comprends rien. Il est en France. Ben, c'est pas ça, la France. Il y a pas de lac, là, tout ciel à Paris. Il y a pas d'eau! Ok! Oh, Junkin Jax, avec son babouin. Junkin Jax. Je prends pas ça au sérieux. Ok, le nazi est dans l'affaire. C'est comme Duncan Jacks. Les sidecars, là, c'est magique. Ah, c'est revenu à Paris, mesdames et messieurs. Il l'était depuis le début. Depuis le début, t'es à Paris, ça. C'est là, tout d'un coup, les arbres ont plus de feuilles. Ah, oh, c'est vrai. C'est rendu l'hiver, là. Oh. Fin observateur. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait sur le gazon? complètement inaperçu, avec son collier de nazi. Je trouve ça weird qu'ils descendent les marches, qu'ils descendent eux-mêmes. Ouais. Je trouve ça étrange. Parce qu'il était comme, ok, il est un peu long la shot. Marche aussi.
Oh wow, c'était tellement ça qui est arrivé. Mais c'est-tu supposé être Picasso Picasso ou c'est ouais, un autre c'est artiste ça. Qui s'appelle Picasso? The Picasso Trigger is painted by world-renowned artist Guillermo Esteban. Ah, okay, c'est le nom de la peinture! Picasso Trigger! Fait que Picasso Trigger a pas été peint par Picasso. Puis c'est une très laide peinture, oui, bon qui émane rien. Fait que ta prédiction marche pas. Non. La peinture, oh, la peinture. Oh, non, c'est ça. C'est Dora qui a pogné le cancer. Tout le monde est laid. C'est ça des playmates, c'est mais tout années, le monde est laid, mis à part cet homme. Qui ça? What? Non, tu peux pas toucher une pièce comme ça. C'est, ouais, c'est une œuvre d'art. Ça, ouais, tu peux pas juste toucher des œuvres comme ça. Lui, il peut. It's amazing how just a few million dollars allows him to ignore that the Picasso trigger. It's actually your code name. Oh, c'est son nom de code. Fait qu'il peut peinturer quelque chose. Oh, ma prédiction est encore laisser. Possible. Oh shit! Oh! Il y a le plus vieux revolver! Mais c'est un nazi! Ah, oh, t'as raison! Il va tuer Picasso! Fait que ma prédiction est la plus cigarette. Valide. Non! Oh, du gros platter! Yes! Dude. La violence! C'est une explosion de sang, ça? Non. Je suis un caméraman! Caméraman, man! Dans sa face! Ils l'ont pas vu venir. Amen. Ils ont pas vu venir le gars sur un sidecar sur le gazon avec un gun. Lui, c'est pas dit. Hey, pourquoi mon employé est nazi? Peut-être qu'il faut que je le regarde. C'est vrai, c'est son employé. Ouais, son employé est nazi. Oh, ça, c'est hot. Steve. Bon, hey, un gars qui cuisses. Pas un gars qui porte la montre du bon monde. C'est Steve. Sa montre du bon bord. It was at this moment that he knew. He fucked up. T'es un très bel homme. Plus que Picasso. Oui. Ouais, ouais. Pour elle, les cheveux, quelque chose. Quelque chose. Ah, oh, ouais. Puis lui. Moi, je pense, lui, il est plus chaud, mais lui, il fait mieux l'amour. C'est vrai. Ouais, oh, ouais. Lui, ton cul, oh, il met sa langue, là. C'est contre ta Vegas. Shot-là. À sa shake, là. Oh, la couette. Tabarnak. C'est Triple H, mesdames et messieurs. Triple H avant la lutte. Son nez l'amour. Est plus gros que mon pénis. Mon rêve, c'est d'avoir un pénis gros comme son nez. Je rêve de Steph aussi. The homing device. Ah, le gars, il a un bouquet dans les mains, puis je pense qu'il vient de mettre un petit micro dedans le bouquet. Ah, j'aime ça. Fait que je sais pas ce qu'il va faire avec le. Ben, il y a plus de bouquet. Fait lui, il fume de manière super naturelle puis relaxe. Ok, voici une frustration que j'ai par rapport au vieux Bleu Nuit que vous écoutez pas. Il y avait tout le temps. Ça, moi. Il y avait tout le temps une fille avec des gros totons, puis tu la voyais pas, ces totons. Tu les voyais pas. Puis ça, c'est on le vit avec les deux filles en cowboy. Ouais. J'aurais aimé ça voir les seins de ces femmes. Ouais. Et j'y vois pas. Mais ça va être ça la fin du film. Ah, tu vois, on a le premier truc misogyne. Mon commentaire. Ouais. C'est ça. On va prendre une gorgée pour ça. Gorgée. Oh. Ah, elle est là, la fleur. Voilà. Oh. Mais ils ont mis un mic parce qu'on l'entend pas, justement. C'est ça. Je crois que c'était pas la. Qui est vos danseuses le jour? Ben, il y a un buffet gratuit. Mon. Oh, c'est ça, c'est Gatineau, ça. Oui, c'est Pigalle. Yeah! Ah! Les gars de Gatineau, tu peux jamais les sortir de Gatineau. Ils sont pas capables. Tu sors de Gatineau pour vous, oui, ils sont encore à Gatineau. Ils sont pas capables. Jusqu'à date, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Il y a aucune intrigue. Picasso s'est fait tuer. Ouais. Et on s'est fait blue-ballé par deux filles en cowboy. Mm-hmm. Le deuxième commentaire misogyne! Damn! The chopper's got a bazooka! But we'll get off the road or something! Get off the road or something, il va quand même être capable de tuer facilement. Ouais, ça va vraiment, il va être on va savoir notre première explosion. Oh oui! Explosion! C'est un practical. Mm-hmm. Fait que là, le gars dans son micro, dans son ses écouteurs, ça a fait comme. C'est fait genre. Ah, goddess! Elle, t'as-tu envie de voir ses tatons? Tu vas-tu être frustré si t'es pas là? Ben. Non. J'aimerais. Je serais content. Pour vrai, là, on va pas faire assemblage que ça me tente pas. Là. On va pas jouer. Je suis pas venu ici pour mentir. Faire non, quoi? Non. Je suis pas un gars curieux, moi. C'est un effet anthropologique. Ouais. Elle aussi, je vais voir ses tatons. Non, elle plus! Elle a quelque chose! Premier ouais, ah ouais. Plan, ouais. Il y a une esthétique très Scarface. T'as c'est raison. Vrai, c'est vrai? Ben, j'imagine. Ah, je pensais que c'était un cam. Ça m'excite bien trop qu'elle ait froid. C'est tellement bizarre à quel point le fait qu'elle ait froid, ça m'excite. Il aurait fallu qu'il y ait un close-up sur sa chair de poule. Ah, oui! Il y a un petit Uzi qui va tuer quelqu'un.
Ils vont-tu juste les gonner de même? Ils sont deux. Comme t'es là. Oh! Attends, ça fait pas ça, ce gun-là. Ben, il a tiré juste une shot. Elle, va-tu crever aussi? Oui. Oh, fuck! Oh, oh non! Mais c'était qui, elle? Une autre fille qu'on verra pas ses seins. Est-ce que c'est juste parce que c'est aux États-Unis qu'elle a un gun dans sa sacoche ou c'était un agent de secret? Hey, c'est une bonne question! Oh! Oh, 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 là, je pense que... Pourquoi elle monte son aisselle? Puis pourquoi ça vient me chercher? Bon, là, je vais lécher son aisselle. C'est ça que je fais. Vous m'avez venu ici, là, je vais lécher des aisselles. Oh, 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 une intégrale. Ah. C'est pas... Faut voir les titres. Faut voir des vrais... Ah, une intégrale, ah! Hey, ça sert à rien, ça sert à part d'être la nudité. Non, 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 je suis content. Elle, on l'a déjà vu tout nu. Ouais. Oh, mais c'est bon, on se tanne pas, là. Elle, si on la voit tout nu, on prend une autre gorgée. On a vu son cul. Ça compte, c'est... Ça compte un cul! Un cul, ça... tu peux montrer un cul dans un film PG-13. Qu'est-ce qui crée avec un avion télévisé? C'est un drone. Avec le drone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pitcher une explosion? Il va pitcher une explosion? Il va pitcher une explosion. Je suis sûr, moi. Je suis sûr que le bateau, il explose. On prend une gorgée, ça arrive. Puis, ben, c'est sûr, oui. Ben, je sais pas, ça coûte cher. Mais ils ont l'air d'avoir du budget, quand même. T'as raison. Ouais, c'est tout des... Pour un film de merde, là. Le petit son de drone. Ils pensent que les filles sont dedans encore, je pense. Ouais. Ou peut-être que c'est juste un avion téléguidé pis ils ont du fun. Ah oui, justement! Ils sont juste en train de jouer! Quelle violence! Ah, non, c'est j'ai peur. Yes, Mr. Ortiz, I read you loud and clear, sir. Do it! It'll be sweet. C'est une belle shot, ça, par exemple. Ouais. Avec le champ. C'est réussi, c'est réussi. Le champ en arrière, comme une belle composition. Belle shot, aussi. Ouais, ça, c'est une belle composition aussi, là. Ah oui? L'arrière-plan, l'avant-plan. Il sait qu'est-ce qu'il fait, Andy Sedaris. Explosion! Explosion! Pourquoi il fait noir tout d'un coup? What? Hey, c'est pas le même ciel, là. Oh, génial! C'est pas le même ciel, là. Ah, oh, c'est génial. Oh, un grand cheval. Il va se faire tuer. C'est un beau cheval. Faux gazon. Je pense que oui, je pense qu'il va se faire tirer. Et jusqu'après, c'est quoi l'intrigue? Go up to the house and bring us some coffee and sandwiches. Son assistant mexicain. Of course. Je pense pas que c'est son assistant mexicain. Je pense que c'est un mexicain. Il a dit bring the coffee. Ah, c'est au Texas. J'ai vu la plaque d'immatriculation au Texas. Oh, oh, what the fuck? What the fuck, man? Ah, oh, son corps brûlant vient de tomber du camion. Puis il s'en fout, il est comme ah, tu vois, ça arrive. Je vais aller en chercher un autre à la frontière. Ah, c'est le gars au début qui faisait un café. Oui, c'est lui. Oh, oui, c'est lui. Il avait un chapeau de cowboy. C'est vrai. C'est lui qui fourre bien. Oui. 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 Her name is Pantera. Pantera. Et lui, c'est celui que il a un beau corps et que Christine n'aille pas. Il n'y a plus de lunettes soleil, peut-être que ça change un peu ça. Pense pas ça qu'elle aimait. C'était pas l'accessoire. Je pense pas que c'était l'accessoire qu'elle appréciait. Ça coupe mon goût. Les couples longueurs, ça m'excite. Bon, that's it. On aime ce qu'on aime, hein. Il y a une veille de vache. Dis-moi que tu viens du Texas sans me dire que tu viens du Texas. When I get you home, you are in for a bumpy ride yourself. Oh! Well, I think I have some instruments to take care of that problem. Oh, I love it. Quoi? Ouais, what the fuck? C'était quoi ça? Un cochon? Je sais pas. Jusqu'à présent, c'est un film qui respecte la femme. À date, c'est toi qui respecte le moins les femmes. C'est oui, c'est pas le pire, les femmes misogynes. Le sugar cane train. Fait qu'il y a un train. Il y a un train, rien de ce qui se passe. You don't think they crack my cover, do you? No, impossible. The federal government wouldn't allow that to happen to you. Ok, c'est des agents secrets, eux autres, non? Oh. Christine, est-ce un bel homme? Moi. Moi? Yo, je tuerais ma fille. Attends, pour ressembler à ça. Il y a une couette, il y a une. Une petite queue de rat comme Manila? Non, non, il y a une. Oh, 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 c'est ça! Oh, ma fille est morte pour ressembler à ça! Ma fille, malheureusement, puis va en faire d'autres! Avec... Wow! Wow! Oh, wow, les outfits! Ah, ils savent conduire des avions. En plus, pilotés. Ils ont pas le choix parce qu'ils ont perdu leur moyen de transport. T'as raison. Un bateau. Mais au moins, ils ont trouvé un train. Et le linge. Un avion. Ah, mais ils ont trouvé ça dans la valise de vache. L'avion est sur une autoroute. Quoi? Non! J'ai pas compris ça. C'est, on l'a vu, elle. Ouais, c'est elle à la galerie d'or. Je pense qu'elle est méchante. Ouais, les parce brunes, que tout de suite après, pas. L'autre s'est fait tuer. Les brunes sont toujours méchantes dans les films. Et dans la vie. Tu
Oh! Holy shit! Je comprends rien. L'eau est belle. Ah, c'est SeaWorld. Ces dauphins-là sont très malheureux. Oui. C'est-tu... Ben, on peut checker sur IMDB, mais je suis pas mal sûr qu'ils se sont suicidés. Les dauphins? Ah ouais, c'est certain. Belle shot! Belle shot! Ils ont des belles shots. C'est des films parfaits, ça. C'est vrai, il n'y a rien à dire. C'est beau, mais l'histoire fait pas de sens. J'adore. J'adore. On va-tu l'avoir nu, elle? Ah, c'est clair. Steph, elle met ça toujours de même. Hein? Elle est toujours de même, Steph. Pour vrai? J'ai les cheveux de même, sensuel, puis elle attend que j'arrive. Et moi, j'ai toujours un code de cuir, puis je suis dans un code de porte, puis je me frappe. Parce que ça me pique. Ah, il t'a pris dans ses mains, man! Oh, ma barre toute crevée de l'air! Ah, je comprends. Club et restaurant. Bon. On a toujours rien compris. Là. Dans son attitude et dans son corps, ressemble beaucoup à Steph. Elle, là, tu dis à Steph, yo, je rentre dans la maison, tu t'habilles sexy, tu t'habilles en cowboy, on va danser, on fait meilleure soirée. Mais je suis plus sûr que c'est une méchante, là. Avec ce... Ben non, pas méchante, elle s'habille sexy, mais non. Oh, eux, c'est des méchants. Ouais. Coupe longueuil et moustache, Christine. C'est le gars qui est suivi. Dream Man. Il est tellement laid. C'est très Steph aussi. Danser sur un beat que pas vraiment. Il n'y a pas de beat, Steph. M'en fous. À une époque, ça va m'arriver de dire ça, apporter aussi des grands anneaux. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle vient de Laval. Ah, il a sué du chess. Bon enfant. Non, c'est des. Ah, non, oui, elle a sué. Elle a sué en crise du chess. Ou Andy Sidoris est passé avec un petit vaporisateur parce que c'était plus hot. Mais c'est qui lui? On sait même pas c'est qui. Je l'ignore. Mais. Oh! Oh! Okay. Enfin! Oh! Je suis content là. Là, je peux pas croire. Puis elle a sué, fait que il est tout. Il est tout comme. C'est salé. Bon. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. En tout cas, lui, il en a profité. Ouais. Pas nous. Mets ta main dedans, bon, vas-y, là. C'est pour ça qu'il y avait des trous dans bon, ses pantalons. Bon, déchire. Mets ton doigt dans le trou, déchire. C'est très softcore. Mets ton doigt dans le trou, on va regarder ça. Hey, lui, il j'aime pas sa face. Non. C'est ça. Ah, pis c'était un gros tease. Uncertain Texas. Pardon, ça. C'est une ville qui s'appelle Uncertain, pour vrai. 147 habitants. C'est ça qui t'a marqué. Mais ils sont pas. Ben, pas... Les deux ont pensé au même gars. Ah. Red Mind thinks alike. Brag. On sait toujours pas l'intrigue. C'est quoi leur but, hein? Eh, je veux voir cet autre. Lui, c'est une caricature. Hein? C'est le cowboy, ça. Oui, bien. Non, je sais pas. Je suis confus. Je pense que c'est lui. J'ai jamais vu quelqu'un de si aussi certain. Et incertain tout de suite, vite. Ah, j'aime pas ces boucles d'oreilles. C'est couleur tigre, géant. Je trouve ça bien. Elle, es-tu belle? Oui. Là, il va falloir manquer Christine parce que. C'est ça. Ah, oh, ponton! Il y a pas assez de ponton dans les films. Tu vas toucher les. Oh! Explosion dans l'eau. J'ai aimé ça! Un ponton. Un ponton! C'est un bateau comme ça qui va pourchasser un ponton. J'aime ça. Je pense que le punch, il va faire un autre chemin, mais elle va les bloquer. Elle va arriver avec son ponton comme ça. Brillant, parce que oui, regarde, elle se prend. Ah oui, oui. Je le répète, moi. C'est. T'as-tu écrit ce film-là? Je devrais. C'est quoi cette gun-là? Bon, un gun, puis elle va l'avoir. Un truc, elle va l'avoir. Quel? Hey, c'est dangereux comme cascade, il aurait pu tomber sur le moteur. Oh. Ils ont dit, faites une réaction. Je l'ai eu. Oh, OK! Thursday! Quentin Tarantino! This man is so... Alejandro Felipe Salazar. Codename the Picasso Trigger. À quel nom on va comprendre c'est quoi l'histoire? Ah, pfiou. C'était long? Une photo pendant, man! Ça, là, ça aurait dû être une scène 5 secondes après ce qui s'était passé. Ouais. Ouais, hein? Quoi? C'est pas des méchants, eux autres. Non. Qu'est-ce que Christine, que ça en pense? Merci. Je peux-tu switcher de prédiction? Vu que Picasso est mort. Ben oui. Puis qu'il n'y a jamais eu de peinture. OK. Que la blonde, c'est une agent double. OK. On va avoir un reveal que c'est une agent double. Je l'aime, la prédiction. Moi, j'aimerais ça qu'on l'apprenne pendant que quelqu'un est en train de la péter avec une béquille. Oui, les béquilles sont béquilles, on l'a pas vu. On va la voir bientôt, je pense. You're jealous.
I don't have a jealous bone in my body. Oh, elle va-tu se dénuder direct là? Je pense que oui. Non. Hein? Wow! What the fuck? Est-ce qu'on a de la nudité gratuite? Oui! Yeah! Nudité gratuite! Oh, c'est une belle femme! Hein, il faut l'amour! Oh! Ça compte-tu pour une nouvelle scène de nudité? Oui, oui. Ouais, ouais, ils ont changé de place. Oh, il faut l'amour. T'as la même fille? Ouais. Ah, ok. Ça aurait été drôle! Oui, switch! Une autre fille! Ouais, mais ça va être là, ça va l'air bon. Mais t'aurais aimé ça être là à la place de quelqu'un d'autre ou juste être là, point? Des deux. Dans le coin du mur en train de regarder. Ouais. En fait, un chat. Je viens de réaliser que tantôt ça a dit Thursday en blanc, puis ça a dit Friday en avec blanc. Une ligne. Avec une ligne. On bête-tu que ça va dire Saturday avec deux lignes? Oh. Oh. Qu'est-ce qui va arriver là? Le comic relief. Musique. Caillou, là. Tu potais de c'est quoi cette scène là? Qui est là. Kristen. Mais c'est l'homme qui fume. Est-ce qu'il est sexy? Non, y'a rien. Oh, ah ouais. Lui, il ressemble à un des mecs comiques. Lequel? Le jeune. Barry? Oui, que j'ai déjà étouffé à la télévision. Toi, ça? Étouffé? J'ai passé à un show, je me souviens plus comment ça s'appelle. Genre Family Feud, mais québécois. Ouais, ouais, la guerre des clans. J'ai pris dans mes bras. Puis je l'ai étranglé, puis il m'a dit Thomas, tu m'étouffes, puis j'ai serré plus fort. J'adore les. Oh! Oh! Il voulait y avoir son verre dans lequel il buvait déjà. Ouais, il est non, c'était plus une question de yo, ramène mon verre. Ah, ok. Non, oh, ils ont couché dans l'amour! Dans l'avion. Ah, c'est donc ben ils bon. Se sont envoyés en l'air. Oh! Oh. Tu as fait la même chose avec Order of the Black Eagle. Hey. Dude. On va couper à ça. Ils vont s'envoyer en l'air. Oh! Métaphore. Oh, 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 oh! Ça, c'est gratis. Ça, c'est gratis. Okay. C'est gratuit. Ah, mais c'est une belle femme. Would you like a Danish? Would I? Ah, il s'en fout des Danish. Oh, wow! Monsieur le professeur! When you attach the explosives. C'est pas. C'est un PQ! Il a juste pris, il est allé chez Toys R Us, pis il a mis de la dynamite dedans. En dessous, man. C'est comme dans Home Alone 3. Bah. Ça marche, là! Ouais, le boomerang, ça revient en plus! Ah, oh, oui, en plus! Pas de nudité gratuite, mais c'est gratuit. C'est gratuit quand même. C'est ça. Ouais. On va le compter. On va le compter. C'est qui lui? C'est celui-là. Ah, c'est lui avec la couette. Ah, oh, nudité gratuite! C'est gratuit! Yo! Pardon, on dirait que c'est lui qui regarde. Il y en a une béquille là tout d'un coup. Quoi? Comment ça, il s'est blessé? Mais c'est une béquille. Oh, c'est vrai. C'est fake. C'est un accessoire. C'est un gun qu'il y a dedans. Ou c'est juste une arme. Ah ouais, c'est sûr que. Oh, deux! Ah, je l'ai collé! C'est là, man. Well, Cam, oh. I'm gonna hit the jacuzzi. Okay, she's gonna hit the jacuzzi. Fait que. Tu vois ça? Pas une unité gratuite, c'est sûr. Why? On voit l'autre! Ils ont coupé avant qu'elle arrête sa brassière, mais on voit elle pareil. Ben, c'est juste comme. Jacuzzi plein de mousse comme ça, by the way, c'est juste plein de cochonneries d'impureté. C'est ça qui fait de la mousse. Fait que c'est dégueulasse comme jacuzzi. Absolument. Ouais, c'est une nouvelle scène. Fait qu'il y en a une dans le jacuzzi, une dans la douche. Quand ils pointent les deux dans le jacuzzi, je déteste ce film. C'est très mal écrit! C'est très mal écrit! Toi? Andy, qu'est-ce que tu faisais? Ben, c'est parce que sa femme a dit non, une fille à fois, là. Hey, trois! Oh, ok, ils ont. Ils sont des bien karaté! Ils sont tout le temps bien karaté, eux autres, c'est l'uniforme. Oh, c'est un cop! Oh, lui, il devrait pas. Ils ont plus de gun, seulement. Non, c'est ça. Là, ils ont plus de revolver. Oh! Ça, un coup de... Oh, shit! Quoi? Pardon, tabarnak. Oh, ça, c'était quand même ça, nice. Nice, une prise de lutte! Il va tout le tuer? Ouh, hey. Oh. Pas cool, ça. Oh. Je pensais qu'il y a du sang sur le mur. Mais c'est juste la pellicule qui est attachée. Oh! Là, ça couille vite. Ouh, nimbals. Okay, you turkeys, freeze! Oh, holy ouais. Fuck! Tout ça pour ça. Un shotgun. Louis-José Hood! Oh! Dans l'œil! Il l'a tiré en tête. Dans l'œil, je pense.
Oh! Lui José Lestrange! Mais voyons donc, lui José, c'est pas ça. Yo, lui José. Oh, Muscle Man! Oh, il était là, il est en arrière tout le long, lui. Il aurait pu éviter un meurtre. Oh shit! Il fait comme t'as fait à Jean-François Varie. C'est le... Pas en même shape, hein, lui. Oh! Surprise! Surprise, mon ami! Ah, parce que le boss, c'est d'autant meilleur que ses gardes du corps. T'as raison. Ouh! Oh, la porte était pas solide! Non. Elle a ballotté là-dessus. Quoi? C'est quoi ce move là? What the fuck was that? Oh! C'est la shot de glace! Pis le crissé en bas du building! Oh my god! C'est quoi ce shot là? Non, c'est réussi ça, c'est réussi. C'est pas un agent secret, c'est un assassin. C'est pas moi, mais moi c'est réussi. Oh! Pas de oh, il a tiré! Wow! Il a tiré dedans pour faire ça! Il a plus de vieux! Il a plus de vieux! Oh wow! Don't even blink! Parce qu'il est plus vieux! Ça c'était bon! Ça c'était bon! C'était un one-liner yo, d'action! Ça c'était bonne! Ça c'était un link! Ah ouais! Mais lui il est pas à l'aise là! Oh, c'est vrai! Oh mon dieu, il aime pas ça! Oh, il aime pas ça! Vous êtes sérieux, vous les voyez pas? Mais c'est parce que leurs motos sont pas jaunes! Okay. C'est une toune de genre Mario Kart! Tellement! De dehors. Ben oui, faites juste vous pointer de même. Oh shit! Ah. Quoi? Ouh! T'as une moustache molle. Oh. Where did he go? Mais voyons donc! Pour la moitié! Un shotgun. Un shotgun? D'un culot. C'est pour ça qu'il conduisait mal. C'est ça. T'es nerveux quand t'as un gros double barrel. Oh, oh non, on met sa bombe dessus. On va mettre la bombe dessus. Mais ça revient, un boomerang à Chris Zakon. Ah, ça va marcher. Pas si tu le fais sauter avant qu'il revienne. Oh, wow, explosion. Le corps. Le corps tellement bien fait. Tu fais un bout qu'on n'a pas vu le dos avec la béquille. Ah! Oh! Ouais. Ma mère est là. Dans la prochaine chute, ma mère est là. La chemise rouge, c'est ma mère. Le gars avec la chemise rouge? Non, ouais. Ah, lui, c'est ma mère! Oh, c'est ma mère! C'est ta mère! Complet, ça, on a vu les seins de ma mère! On a vu les seins de ma mère! La mère de Thomas! Ah, à chaque fois, je pense à la GoPro. C'est un beau brin de femme. C'est un beau brin de femme. C'est vrai. Ça me gosse. T'as déjà plus de balles, man. T'as un double barrel. Hein? Non, il n'y a pas un double barrel, c'est un shotgun. Les gars, on est Québécois, vous savez pas là, comment ça marche les codes. Vous êtes pas à croire que vous en avez fait le cul, là, pis que vous êtes tout le temps très tiré pour renverser le gouvernement libéral, là. C'est pas ça. Hey, l'auto-tamponneuse qui explose, il y aurait tout en passé. L'auto-tamponneuse, c'est pas ça, l'auto-tamponneuse. C'est quoi alors? C'est une auto-tamponneuse, c'est à la ronde. Pardonnez-moi! C'est une auto-tamponneuse. C'est ça. L'auto-téléguidée. Oh! Explosion! Un auto-tamponneuse. J'ai c'est... dit. Oh! Ta mère! Ta mère! Oh, oh! Ma mère! Ma mère! Oh! Comment ça te fait de revivre ça encore? Ça fait mal! Ça fait mal! C'était si morte pareil. Ironiquement, elle est morte comme ça, hein? Ah, pour vrai? Une playmate a tiré. C'est comme ça que ma mère a tiré passer. Oh! Ah! C'est mon père! Mon père a tiré! C'est quoi ça? Une flèche? Tu vas exploser? Ouais. Oh! Le ralenti, man! Y'allez. Non! Oh, ça, c'était bon. Non, ça c'était bon. Ah ouais. Oh! Béquille! Béquille! La béquille! C'est pas une règle. Quoi, c'est une règle? Ouais, c'est une règle. C'est la règle à Thomas. C'est pas ma règle. C'était ça sa règle? Ouais. Ok. Hey, ça c'est inutile. C'est tellement pire plan de Q. Il y a un gun en plus dans sa poche. En plus, ouais. Quel agent secret en mission aurait une béquille? Genre, tout de suite, c'est comme, oh non, c'est louche, donne-moi ta béquille. Tout de suite. T'en as pas deux. Mais ouais. Comme. J'aime que personne le regarde, mais commit au fait que il faut qu'il joue handicapé. Ouais.
personne est là. Mais comme, ben, je vais marcher pareil comme si je boitais. Ok, ouais, c'est vrai. Mais personne n'a loupé. Ça fait pas de sens, là. Il est comme, ouais, la caméra regarde. Il est au kazoo. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut accomplir? Oh, la peinture. Le Picasso Trigger. Hey, c'est Picasso Trigger. Hein? Il est vivant. What the fuck? Il est pas mort. Ok, il va avoir caché quelque chose. Il est zéro subtil avec le fait que... Oh. Oh my god! Tu viens de blower le cover de ta béquille tout de suite. Fait qu'il a faké sa mort. Oh, c'est pour ça qu'il se connaissait! Ben oui. Oh, yes! Pourquoi on l'a pas vu venir? On est niaiseux. Ben non, mais... On s'est fait avoir dans le film! Ben non, mais c'est parce que le film aurait pu juste être niaiseux, lui. C'est ça qu'il nous a fourré. J'ai aucune idée pourquoi il laisse faire. Interviens, cogne-le, donne-le un coup de pied. And I've seen enough of you. Oh, asshole. Oh! Oh, ça c'est brillant! Oh, c'était une petite explosion! Ouais! Non, ça c'est brillant! Ça serait. Non! Quoi? What? I'm fine, look, I'm sorry, are you okay? Oh, I'm okay. I didn't know it was you. Don't worry, I'm okay. Quel agent! Il reconnaît pas le monde! Moi, ouais, oh! Ça. Oh! Mais elle a quand même utilisé sa séduction pour le tuer presque. Elle a pas réussi. Elle a pas réussi, mais elle on va se donner une gorgée. Les deux seins qui sortaient. Ouais. Puis on verra jamais ses seins. Ben juste là, il va dézipper son affaire avant de. Je pense pas. Puis c'est celle que je pensais qui était un agent double qui l'a tué. Sa vraie femme. Ah. Ah, oh, va le tirer. Non, ben non. Peut-être. Oui, faites ça! La roulade! La roulade! On passe à... C'était beau! La roulade, c'était nécessaire. Il y a encore sa béquille. Mais c'était de l'improvisation. Mais là, on a un pont genre trident. Oh! Une auto-tamponneuse! Oh! Une auto-tamponneuse! Mais calé, les gars! C'est un aéroglisseur, mais il ressemble aux auto-tamponneuses de la ronde. Y'allez! Waouh! Waouh! Quel homme! Mais c'est tellement dans Green Jacks! Pourquoi il y a un casque? C'est dangereux! Tant que ça! L'acteur était pas à l'aise. Okay. C'est tellement laid ces shots-là, arc. Qu'est-ce que tu tournes autour? Allez, on dirait que tu il est presque au bout complètement. Je suis sûr que c'est pas le même qu'on fait de la moto marine. J'ai l'impression. Ah, il y a un film. Ouais. Il est accroché avec le film. Ah, mais je pense que c'est l'affaire, tu sais, la clé, là. Ouais. Quand tu sautes, ça l'arrête. C'est malade. Prends la béguille. Quelle fin. Pour vrai, ouais. Tu sais bien ce qu'on va faire? Ouais. Hein? Oh, le zoom! Ok! Oh! Explosion! Oh. Toutes les méchants sont morts, là? Oui. Ouais, c'est... c'est bon. Le nazi! Oh! Il reste lui! Ah, oh, je l'avais oublié. C'est pas une croix nazie, ça. C'est quoi, alors? La croix de Chopper. Ouais? Aussi, ouais, c'est vrai. Oh! Cette femme-là est morte. Ouais. Oui. Ah. Voyons! Es-tu mort pour vrai? Ok. Ah, oui. Ben oui. Hein? Quoi? Easy come, easy go. C'est pour ça qu'il y avait un casque. C'était pas lui. They're expendable. They're expendable. So are you. Oh! You shot me, I shot you back, motherfucker. Oh! Regarde! Il a une balle là-dedans. Parce qu'il sait qu'il est pas mort pour vrai. Ah, oh, il brille. Ça a l'air d'enfant la plus cheap ever, elle plie quand tu pèses dessus. Ouais! Oui! Oui! J'avais les codes! Il est fait diviser! Oh! Il va tirer dessus! Direct! Avec le laser! On va y aller le laser! Oh! Oh god! T'es du son! Qu'est-ce que c'est? C'est bon! Wow! C'est bon! Il pleure? Oui, il pleure! Washington says, hell of a job! La peinture! Le Picasso Trigger, que je comprends toujours pas qu'est-ce que la peinture a rapport dans le film. Moi non plus. Of course you could! Ben non, la béquille! Il aurait pu juste retourner à la maison pour tuer ça. Non, c'est lui la béquille! And what's gonna happen to the painting? Pire peinture. I have it. And I think I'll keep it. After all, the authentic painting is hanging in the new Contemporary Museum of Paris. This one is only a copy. Ah, c'est une copie en plus. Or is it?
Cheers, ladies. Ça va pas finir par un rire. Ouais, all right, cheers. Avec Eddie. C'est ça le générique? Quel générique! Ah, c'est l'application Trigger! Si je le tuerais, c'est pas ça. Fait que, Thomas! Je veux tout d'abord m'excuser. Pour? Ce que j'ai traité ces cinéastes de misogyne. Oui. Puis c'est un film féministe. Il y a un nom de test. Pour savoir si c'est un film féministe, il faut que deux femmes discutent ensemble, pas d'un autre homme. Ouais. C'est arrivé. Ils ont discuté de leur corps. Mm-hmm. Et de leur envie d'aller faire de la plongée sous-marine. Mm-hmm. Ce qui est très féministe. Mm-hmm. Puis après ça aussi, il y a deux autres femmes qui ont discuté du fait que moi, je vais aller me laver dans une douche, puis toi, tu vas aller te laver dans un bain tourbillon. Bon! Hein? Si ça, c'est pas féministe. C'est super féministe. Mais sinon, est-ce que tu peux nous résumer Picasso Trigger? Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? C'est l'histoire de la pègre qui sont obligés de blanchir leur argent. Fait qu'ils financent un film avec des filles qui posent dans Playboy. Je pense que c'est ça l'intrigue. Ça se peut que ce soit ça le film, pour vrai. Parce que qu'est-ce qui est quand même spécial avec ce film-là, c'est que on a une scène d'intro qui nous explique un peu qu'est-ce qui va arriver. Puis ça prend genre une heure avec avant qu'on ait un débrief de qu'est-ce qui vient d'arriver dans l'intro. Et où, avec un gars, on sait pas s'il est nazi ou il aime beaucoup la moto. Ouais. Ouais. C'est pas clair. C'est un débat qu'on a eu. Un homme très sexuel. S'ils ont pas de coupe longueuil puis pas de moustache, ils sont pas sexuels. Merci. C'est si simple. Alors, cet homme-là meurt. Et là, il y a une agente... Je dis pas. C'est quoi l'organisation qui travaille pas? On sait même pas. Je sais pas. C'est-tu la CIA? C'est-tu... On a même pas. Chez Playboy. Les femmes étaient belles. Oui. C'est quoi? Oui. Je suis très content. Mettons, je suis content de pas être l'invité parce que j'ai pas à résumer le film. C'est vraiment difficile. Un homme qui a comme employé un prêtre, il se fait assassiner. Oui. Par son employé. Mm-hmm. Qui se fait jamais arrêter. Hein. Qui est le prêtre Qui est SS ou biker, pas classe. Biker. Mais en fond, c'est pas un vrai biker parce que. Il aurait conduit sinon la moto. Ouais, il aurait pas été dans le sidecar. Je suis d'accord. Fait que c'est un SS. Merci! Deux femmes féministes oui. qui discutent ensemble, pas d'un autre homme, font de la plongée sous-marine. Mm-hmm. Deux hommes en profitent pour détruire leur navire mm-hmm. avec un avion téléguidé explosif. Oui. Mm-hmm. Elles ont de très beaux seins. Oui. Et elles attendent. Qu'on a vu plus tôt oui, dans le bateau. C'est vrai. Il y a une femme. Qui ressemble à ma blonde actuelle. Oui. À Steph. Elle agit comme elle un peu. C'est vrai. Pareil. C'est ça. Pareil. Elle reçoit un homme. Elle se fait mettre les doigts dans ses jeans troués. Et dans sa brassière aussi. Voilà. Là, je me souviens juste que je criais « Arsène à Steph ». Arsène à Steph. Puis j'ai des choses sur la vie intime de Steph. Voici un extrait. Les deux doudes avec la première explosion, tu sais, qui est le couple de. Le oh groupe, oui, il y a du monde qui se sont fait tuer sur une plage. Oui. Pis ça, on sait pas c'est quoi ça a rapport à. Ça, c'était les deux gars du drone. C'est sûr? Ouais, c'est eux autres. Ouais. Puis là, la scène mère. D'après, il arrive. Oui, c'est ma mère. Oui, c'est ça. Ma mère. Ta mère. C'est ma mère qui a tué tout d'abord. Tout d'abord, il a détruit ouais. la maison ouais. des deux femmes féministes. Ta mère qui est très Tony Montana un peu. Tony Montana, ma mère. Ah, oh, ouais. Très Tony Montana mentionne mon nom. À la réunion, il nous explique ce qui vient d'arriver. Mm-hmm. C'est pas plus clair. Ah, puis by the way, pendant l'émission qui faisait le debriefing, il y a une belle photo de Picasso Trigger qui se fait tirer. Genre, oui! Il est en train de mourir. Il y a quelqu'un quelque part qui a pris une photo pendant qu'il se fait tirer. Pendant la balle. Mais assez que... Il est pas tombé à terre, mais il y a quand même un splatter sur le mur. Oh, ouais. C'est ça le gauge de temps. J'ai plus de difficulté à me rappeler de l'intrigue parce qu'après les réunions, il y a beaucoup de seins. Et ça occupe tout l'espace dans ma tête. Dont les deux danseuses. Oui! Qui étaient dans le spa pis dans la douche. Ils sont féministes, ouais. on le rappelle, parce qu'ils discutent de... On va aller dans... On va chacun aller se laver de notre façon. Ouais. Une d'une façon vraiment moins hygiénique, qui est dans un spa plein ouais. de mousse, donc dégueulasse. Ouais. Ah, avant! Il manque un bout! Hey, ça, ouais, quand il a fait sa mort deux fois. Quand il va voir Q pour donner la béquille. Les gadgets. Q, pas juste la béquille, il y a plusieurs gadgets Q. On revient à la finale où tout le monde meurt. Ma mère meurt. Ma mère tue. Oui. On apprend que Picasso était pas mort tout ce temps-là. Non. Il se cache avec une vitre comme moi. Steph, on apprend que c'est une agent double. Elle se fait tuer par un truc entre les deux seins. Un harpon. Ouais. On a oublié le
mentionner! On a oublié de mentionner l'agent super beau. Il y a une blonde avec qui Manny fait l'amour dans l'avion. Oui. Il couche aussi avec la fille qui ressemble à Steph. Mais ça, on ne sait pas. Parce qu'il a juste poigné les seins puis la craque de jeans. Ouais. Puis après ça, ça a coupé. Bon, je pense que c'est insinué. Ouais, c'est insinué qu'il y a un rapport sexuel. Ah, puis il y a un truc vraiment génial à m'amener. Il chicane, il se fait un drink, il se vire de bord puis il est tout nu. Oh, c'est vrai. Moment, après la réunion, Parce que, regarde, faut les paires de seins se mettre en place. Parce qu'elle était en train de se déshabiller, puis là, on a fait, elle va-tu se mettre tout nu? Ben non. C'est ridicule, parce qu'il chicane. Ouais. Puis ben, elle le fait. Là, c'est le moment où ce que ils s'en vont dans le lit, ils s'embrassent, puis à un moment donné, ça coupe, puis là, Thomas, il fait ça à même. Oui, ça à même, Thomas. Ils ont pas jump-coté à une autre femme qui était. Ça aurait été drôle. Hey, tu devais être mélangé dans la vidéo de Julien Lacroix, hein. Hey, je m'en allais faire un gag. Je suivais pas. C'est quoi ta scène préférée pendant tout le film? Elle le sait, là, mais en tout cas, tu peux le dire. Veux-tu le dire? Toutes les scènes où est-ce qu'il y a des seins. Non. La meilleure scène, c'est quand la fille, elle prend sa douche, puis l'autre, elle prend... Dans le tourbillon. Ouais. OK. C'est pas toutes les scènes de seins, une en particulier. J'ai choisi. Ou est-ce que deux paires de seins différentes dans la même scène? Oui, c'est celle-là. Mais en même temps, c'était ta grosse déception aussi, parce qu'ils étaient pas les deux dans la même place physiquement. Voilà. Toi, Vince, c'était ton moment préféré? Ma scène préférée, ça a été la troisième fois où ce qu'il meurt pour vrai. Avec le laser à 8 km away. Là, lui qui le remarque. En fait, il remarque le point sur son chest. Il remarque comme... Parce que, tu sais, ça chauffe un point. Non, je sais pas pourquoi il aurait bu ça. Puis là, il explose. Fait que là, on a bu une gorgée pendant qu'il était mort pour vrai. Ouais. Toi, LP, t'as-tu une scène préférée? Moi, je veux dire, toute la poursuite de motocross, les deux filles contre les deux gars. Ouais, c'était bon. À un certain point, il arrête, elle sort un gun, elle en tue un. Ouais. Là, l'autre il continue à se sauver. Là, l'autre il a peur, fait qu'il s'en va se cacher dans des buissons, mais il sort sa tête comme un épée. Fait qu'il faut... Il est là! Oh oui! Elle pogne un harpon. Ah non, elle pogne le boomerang. Elle pogne le boomerang, elle lance, il explose, et c'est là qu'on voit, je pense, le plus beau mannequin. Sur le side, il y a un mannequin qui fait WAP! Pendant que ça explose. Ah, mais t'as la meilleure scène. Ouais. Des scènes qu'on a choisies, t'as la meilleure. C'est une très bonne scène. Est-ce que tu recommandes ce film? Bien sûr. Ouais? Bien sûr. Très bon. Si t'aimes le corps de la femme, tu vas aimer ça. C'est vrai. Si t'aimes pas le corps de la femme, tu vas aimer passe ça. Ton tour. Et on voulait voir leur... Anus? Full frontal anus. Anus, je pense que anus, ça devient straight up porn. Si tu vois un anus dans un film, c'est rendu de la porn. On est rendu. Toi, Vince, tu recommandes ce film-là? Je recommande ce film-là moins que j'aurais pensé. Je pense que c'est juste le côté histoire. J'aurais aimé ça une histoire vraiment simple comme à la Samurai Cop. Tout le film au complet, je trouve ça poche, mais vraiment bon. C'est vraiment entertaining. Mais il manque le petit côté, tu sais où ce que ça s'en va, tu comprends où ce qu'ils sont, tu sais, c'est un peu gossant. C'est un peu gossant. Mais qui ils sont? Ouais, tu comprends. Puis il y a trop de filles que je suis comme, attends, c'est-tu elle ou c'est pas elle? Non, c'est l'autre. Il y a beaucoup là-dessus. Tu sais, il y a deux blondes qui se ressemblaient beaucoup. Ouais. En fait, c'est les deux, c'est moto. Ouais, ouais, ils se ressemblaient beaucoup. Mais il y en a une autre blonde, es-tu sa moto aussi? Il y en a une autre, je m'en souviens. L'autre, c'est la blonde du dos. Ouais. Elle est pas sa moto. Il y a quatre blondes, je me souviens bien. Il y a les deux blondes dans le bateau. L'épouse du gars qui se fait la cocu. Ouais. Et à la fin, c'est elle qui dit « Ah, ça, c'est ma toile! » Elle était sa moto, je pense. Non, moi, je pense pas. C'est la blonde de l'autre, ça, je pense. Non. La blonde de l'autre, elle a un plus gros toupette. Tu vois, on comprend pas. Ça se peut que si j'avais écouté le film tout seul. Tu te masturbais? Oui. Puis après avoir éjaculé, fait que l'intérêt s'en va. S'en va, ouais. Tu continues pas le film, non. Mais les scènes de nudité durent-tu assez longtemps pour que tu viennes? Moi, j'éjacule très rapidement. Okay. J'ai l'impression que tous les 12 films sont excellents. Je pense que oui. Je pense que ça se ressemble tout. J'ai peur que ce soit trop pareil, toute la gang. Ça moi, j'aimerais ça regarder d'autres avec vous. Ben oui, absolument. Oh, oui. Pour qu'on tombe sur un des films où on comprend. Oui! J'ai le livre de Bad Movie Bible, qui est juste là, que dedans, ils disent les meilleurs mauvais films, et dans les 12, il y en a un qui est là-dedans. Et dans ce film-là, il y a Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Fait qu'à un moment donné, il faut écouter ça. Toi, LP, est-ce que tu recommandes ce film-là? Ouais, à 100%. genre, pour vrai, un film où est-ce que c'est beau, que c'est techniquement compétent, mais que le scénario fait pas de sens, c'est mes films préférés. Je suis pas d'accord avec
est techniquement compétent. Non, mais il est quand même compétent comme... Le montage est raté beaucoup. Oui. ben, quand on... Mais si t'avais écouté des films comme on a écouté des So Bad It's Good, tu verrais que c'est quand même compétent comme film. Ah! Mon erreur. Ouais, c'est ça. C'est que là on parle pas d'un blockbuster. Ça reste compétent. Ça reste que s'il y avait eu une histoire qui faisait du sens, ce film-là aurait été correct. Ouais, c'est ça. Mais que, vu que ça fait aucun crise de sens puis que ça prend je sais pas combien de temps avant de catcher, pour moi, ça fait que c'est un bon So Bad It's Good. Mais... Les scènes d'action sont correctes puis c'est nice. Il y a des explosions pour vrai. Des vraies explosions, ouais, c'est ça. Moi, je c'est un film européen. C'est-à-dire que l'histoire... est pas importante. Mm-hmm. C'est un film d'ambiance et il y a des femmes nues. C'est ça que c'est. Je sais qu'on est en pleine pandémie, mais est-ce qu'il y a des affaires qui s'en viennent pour toi? Je joue dans un film de même. Tu joues dans un film de même avec ta mère? Avec ta mère! Avec ma mère! Mais non, on l'a vu, elle s'est fait tuer. Ah. Elle revient en CGI. Non, mais si vous voulez, je vais revenir ici, puis sinon, suivez-moi sur Internet, puis je fais plein d'affaires. Hey, cool. Merci beaucoup. Merci Thomas, c'était super nice. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Je te laisse conclure, Vince. Vu que ça me tente pas. À la prochaine. Ciao tout le monde! Oh, hi, Mark.